Les Nornir m'ont dit que tu serais ici. La corde est prête. Je l'ai nommé Gleipnir. Je parie que cette blessure a une belle histoire. Ce récit attendra. Merci pour la corde. Quand tu attacheras la bête, utilise toute la longueur. La corde s'étirera ou se contractera selon tes désirs. La bête sera-t-elle maintenue? Elle se débattra. Plus tu serreras la corde, plus elle sera résistante, et plus elle infligera de souffrance, jusqu'à plaquer cette bête au sol. Merci, Ivaldi. Tu peux partir. Et retourner à ma forge? Oui, jusqu'à ce que tu aies intégralement payé ta dette. Ce sont les nains qui ont fait du monde une échoppe. Au moins, nous vendons des marchandises, pas des hommes, monarque des esclaves. Je serais ravi de retourner sous terre, loin de ces cieux colériques. Même la fureur du tonnerre ne me fera pas reculer. Avi, ta vue est un baume pour mes yeux. Mais qu'est-il arrivé au tien? Un sacrifice pour une bonne raison. Est-ce que le loup est là? Oui. Il a grandi.
Je lui ai tenu compagnie, mais il est dévoré par un chagrin que je ne comprends pas. C'est regrettable, mais nécessaire. J'ai su dès le début que ce loup n'amènerait que des ennuis. Il était par essence un animal bon. Mais notre méfiance et notre cruauté ont privé le pauvre loup de sa douceur et de sa vie. Le tuer serait faire preuve de bonté. Il aurait fallu se montrer miséricordieux plus tôt. Ce loup est devenu assez puissant pour mettre à l'épreuve nos deux forces. Je crains qu'il ne soit possédé par un pouvoir qui le rende éternel. Alors nous allons lui offrir un autre sort. Cette corde est indestructible. Tu dois le persuader de la porter. Elle servira de laisse, et sa puissante magie indiquera que le loup est bien maintenu. C'est une garantie pour les Aesir qui le craignent. C'est un signal, rien de plus. Il n'arrivera aucun mal au pauvre Fenrir. Fenrir, oui. Tu connais son nom. C'est Loki qui te l'a dit ? Oui, et c'est un beau nom. Oui, Bête des Marais. Un nom approprié à son sort. Fenrir ! J'ai une bonne nouvelle ! Laisse-moi. Je ne veux que ton bien, grand loup. Mais une crainte pèse sur Asgard. Les Aesir s'inquiètent de l'accroissement de ta taille et de ta force. Oh, vraiment ? Et de quoi devrait-il avoir peur, mon vieil ami ? Avis apporte un collier forgé par les nains. Une balise que nous pouvons suivre à distance pour savoir où tu es. Porte-le, et tu pourras vivre sans crainte en Asgard. Je flaire comme une aigreur. Tu portes ce collier, ou tu retournes au Jotunheim. À toi de choisir. Fils de Loki, ne t'ai-je point traité avec bonté ? Il y a un lien entre nous. Tout comme j'ai confiance en un roi. Tu dois avoir confiance en moi. Voici ma main. En gage de bonne foi que tu la tranches si je trahis ta confiance. Entendu. Fais vite, Avi. Ça brûle. Avi. Mensonge. Libère-le. Avi. Tu resteras ici, Bête des Marais. Et toi, tu mourras ici. Fourbe perfide! Tes frères s'affronteront. Sans couture. Tu parles, Paréthil. La demeure des dieux deviendra rouge. Rouge de sang. Thank you.
Ce sera un âge de tempête. Un âge de loup. Où as-tu entendu les mots de cette prophétie ? Comment sais-tu toutes ces choses ? Je me raconte chaque soir. Crois-moi. Je vais rêver que je dévore tes frères.
Oh.